Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril, que vous avez bien entamé le printemps et que vous en profitez grandement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2019 pour le signe de la Vierge. Donc bonjour les Vierges, bonjour à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, j'ai oublié de mettre ma petite clé ici. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, hein, qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement. Et je tiens toujours à le dire en début de vidéo, d'abord pour un rappel et aussi pour tous ceux et celles qui se joignent à nous. Qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, c'est important pour moi de le préciser. Donc, ce ne sont pas toutes les vierges qui seront concernées par ce tirage. Hein. Bien sûr, vous êtes des milliers à écouter les vidéos. Donc, je vous conseille dans un premier temps d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également. Et de savoir également qu'avec mon petit symbole de la clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors, contrairement à peut-être d'autres personnes, faites attention hein, quand on vous dit que les tirages sont coulés dans le béton et que vous ne pouvez rien y changer. Ou faites attention à votre propre idée sur ce sujet également. Donc, vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Nous, nous pouvons vous donner des probabilités, hein, des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est vous, si vous êtes averti, qui pouvez avoir le pouvoir de changer les choses. D'accord? Alors, mes chères Vierges, d'abord, j'ai beaucoup pensé à vous. J'ai même fait une petite prière également pour vous. Parce que vous savez que pour moi, c'est toujours difficile hein, de... Quand je fais des tirages et que à première vue, je dis bien hein, que les messages peuvent être perçus de façon négative pour certaines personnes et à certains moments. Alors aujourd'hui, ça peut être un tirage qui peut sembler négatif à première vue. Et j'ai toujours du mal à transmettre ces messages parce qu'on aimerait toujours que les tirages soient tout beaux, comme des romans à l'eau de rose, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, le tarot ne se soucie pas des sentiments que nous avons. Il ne fait que se contenter de nous dire la vérité, d'accord, ou des vérités qui peuvent arriver. Alors, donc j'ai toujours du mal à faire des tirages un peu négatifs, en tout cas à première vue, mais je me dois de le faire puisque je suis là pour transmettre des messages. Alors, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir sur votre vie, que vous pouvez changer toute situation qui ne vous plaît pas. Donc, mes chères Vierges, c'est avec beaucoup d'empathie, de compassion, d'amour aussi, que je vous transmets ce message. Et j'ai l'impression également que vous allez bien vous en sortir, vous savez déjà que cette situation-là n'est pas pour vous. Alors, on commence. Alors ici, on commence avec le 4 de coupe. Le tirage, c'est un tirage que vous pouvez peut-être adapter au niveau professionnel, hein, dépendamment de votre situation, mais d'après moi, c'est un tirage qui concerne davantage l'amour. Alors, on commence avec le 4 de coupe. Donc, on voit ici clairement que vous êtes insatisfait ou insatisfaite de votre vie amoureuse en ce moment. Cette relation-là peut être une relation nouvelle ou bien peut être une relation de plusieurs mois, plusieurs années également. D'accord? Mais on voit vraiment clairement une insatisfaction. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes hein, parce qu'il y a pas mal de reflets. Donc, j'essaie de faire mon possible avec l'éclairage, mais bref, c'est le 4 de coupe ici. Donc, insatisfaction au niveau de votre couple. La deuxième carte qui s'est présentée, c'est la carte du diable, mais carte du diable inversée. Donc, ce que ça me dit, c'est que peu importe hein, que cette relation soit nouvelle ou ancienne,
ou depuis peu, hein. En tout cas, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette relation-là. Même si, en quelque sorte, hein, vous y êtes attaché d'une façon ou d'une autre, hein, mais vous ne savez pas nécessairement pourquoi vous y êtes attaché. Vous savez, parfois, on a tendance justement à s'attacher rapidement à quelqu'un ou à une situation ou à une relation, même si cette relation-là peut ne pas être bonne pour nous. Alors, c'est un peu votre cas en ce moment. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, mais en même temps, vous êtes attaché à cette relation-là. C'est difficile pour vous de prendre des décisions rapides, hein? En tout cas, ça a été difficile pour vous de prendre une décision rapide. Mais présentement, on voit que les choses vont changer très rapidement. Une fois que vous aurez pris une certaine décision, les choses vont changer très rapidement pour vous et pour votre couple. Peut-être pour le mieux aussi, hein. Vous allez faire preuve d'audace, vous allez faire preuve de courage. Ici, on a le 8 de bâton. Donc, ça nous parle de changement rapide, ça nous parle de courage, de quelque chose que vous faites avec courage. D'accord? Et elle est suivie, cette carte, si on continue un petit peu plus loin, avec justement la carte de la tour inversée, hein, la carte de la maison Dieu que beaucoup de gens diabolisent. Pour moi, les cartes, chacune des cartes ne sont ni positives ni négatives, c'est-à-dire que elles ont un double message. Alors ici, la carte s'est présentée inversée. Donc probablement que vous allez mettre fin justement à cette relation qui ne vous convient plus. Parce que c'était un défi trop grand, de trop grande taille, hein, que de continuer. Et vous allez prendre conscience de certaines choses ici. Parce que la carte de la tour, bien qu'elle soit inversée, nous parle d'une certaine prise de conscience. Donc, défi trop grand à relever par rapport à cette relation, hein. Peut-être que vous ne vous entendiez pas du tout sur tous les aspects. Donc, il y avait trop de choses en jeu dans cette relation-là et vous en prenez réellement conscience maintenant. Mais en plus de prendre conscience que c'était un défi trop grand pour vous, mais vous prenez aussi conscience avec le 7 de bâton inversé. Que vos valeurs et vos principes vraiment importants pour vous n'étaient pas respectés. Et que pendant tout ce temps-là que vous avez passé avec cette personne-là, peu importe ce que vous disiez, peu importe ce que vous faisiez, vous avez eu du mal, vous, à les faire respecter ces valeurs et ces principes, hein, et ces principes. Parce que si vous regardez la carte à l'endroit, on voit vraiment quelqu'un qui est sur la défense, qui est prêt à défendre ses idées, ses opinions, ses valeurs, ses principes, d'accord? Vous voyez quelqu'un qui tient un bâton devant 6 autres personnes. On ne voit pas les personnes, mais on voit les bâtons qui sont tendus vers la personne. Alors, ça nous montre vraiment cette personne est capable de mettre son pied à terre et de se faire respecter, faire respecter ses opinions, d'avoir le courage de ses convictions également. Mais comme la carte s'est présentée inversée, vous avez eu du mal, peu importe ce que vous faisiez ou ce que vous disiez à cette personne, vous n'avez pas été capable de lui faire respecter vos valeurs et vos principes. D'accord? Alors, tout ça fait que ça assombrit ou ça a terni votre relation. On a ici la belle carte du soleil, mais la carte du soleil inversée. Alors, on voit que votre vie est devenue terne, ou bien que ça a assombri en tout cas votre relation. Peut-être que ça vous a rendu. Vous avez perdu confiance en vous, peut-être, hein, ou même de l'estime de vous-même. Et donc, ça a terni de plus en plus votre amour aussi pour l'autre. Donc, c'était probablement une relation qui était en train de vous rendre malade à petit feu. D'accord? Alors,
Le soleil inversé ici. On aimerait tous avoir des relations chaleureuses, des relations où il y a beaucoup d'amour, des relations où on se sent bien, épanoui, hein, comme le soleil, la carte du soleil, quand elle est à l'endroit, ça nous inspire beaucoup d'amour, de confiance, de bien-être, de paix, de chaleur, hein. Mais comme elle se présente inversée, c'est tout le contraire ici qui vous arrive. Bien sûr, encore une fois, je le répète, ce ne sont pas toutes les personnes du signe de la Vierge qui sont en train de vivre cette situation-là. Alors, ça s'adresse vraiment à ceux et celles qui sont en train de vivre cette situation. D'accord? Alors, votre amour s'éternit pour cette personne. Vous avez pris conscience de certaines choses, vous n'avez pas été capable de lui faire respecter vos principes et vos valeurs, donc vous décidez très rapidement de quitter cette relation, hein. Mais le conseil que les cartes veulent bien vous donner ici, c'est que dans la dernière ligne, on est en train de vous parler peut-être de l'erreur ou des erreurs que vous avez faites. D'accord? Donc, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais pas du tout. C'est simplement pour vous éviter de recommencer la même erreur, tout simplement. Et n'oubliez pas que vous avez toujours la clé de votre destinée. Donc, c'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages reçus. Donc, le problème au départ de cette relation, c'est que probablement, vous vous êtes embarqué un peu trop vite, peut-être, dans cette relation. Hein? On voit ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide, une énergie vive, une énergie passionnée également. Alors, c'est ce que ça nous dit. C'est que probablement qu'au départ, vous vous êtes engagé trop rapidement avec cette personne-là. Vous avez peut-être même décidé de déménager ensemble, hein, ou d'aménager ensemble plutôt. Et vous n'avez pas pris assez de temps pour vous connaître mutuellement en profondeur avant de prendre cette décision. D'accord? Alors, ce qui vous a motivé, probablement, c'est la passion. C'est la passion que vous ressentiez pour l'autre personne et vice-versa, hein, pour la passion que la personne ressentait envers vous. Et probablement une très grande attirance physique ou même sexuelle, hein. Probablement que la passion était fulgurante, trop grande. Et vous savez, la passion et les sentiments, souvent ne vont pas de pair, hein. Souvent ne sont pas... C'est pas obligatoire d'avoir les deux. Alors, c'est toujours plus agréable, bien sûr, mais pour certaines personnes, ça ne va pas de pair. Alors, probablement ici que c'est ce qui est arrivé. Vous vous êtes laissé emporter par votre attirance physique, votre attirance sexuelle, mutuelle, et vous vous êtes engagé trop rapidement dans cette relation. Mais on voit clairement ici, avec le 10 de coupe inversé, que les sentiments profonds ne sont pas partagés. Hein? Au fond, là, les sentiments n'ont jamais été partagés vraiment. Cela aurait été impossible de créer une connexion parfaite avec cette personne-là, d'accord? Parce qu'il y avait trop de passion, mais pas assez de sentiments ici. S'il y avait eu des sentiments partagés, si la carte avait été à l'endroit, hein, si elle s'était présentée à l'endroit, ça nous aurait dit qu'il y avait des sentiments partagés, possibilité de bonheur mutuel, hein, de bonheur partagé, de tranquillité, de famille aussi. Mais ce n'est pas le cas, mes chères Vierges. La carte ici s'est présentée inversée. Donc, pas de possibilité de réelle connexion sentimentale avec cette personne-là, mais plutôt juste au niveau physique. D'accord? Et à cause de cette passion ou de cette attirance sexuelle, hein, vous n'avez pas, ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas fait assez preuve de discernement au départ, dès le départ de cette relation-là.
Et encore une fois, je le répète, hein, ce n'est pas pour vous taper sur la tête, ce n'est pas pour vous culpabiliser non plus. C'est simplement un message d'avertissement, un message qui peut vous aider à grandir à travers cette expérience-là que vous avez fait, que vous avez faite avec cette personne, d'accord? Alors peut-être que à l'avenir, on vous incite ou on vous invite plutôt à prendre davantage de temps avant de connaître quelqu'un ou bien avant de vous engager émotionnellement et physiquement aussi, c'est-à-dire pour ceux et celles qui auraient décidé d'emménager avec cette personne, hein. Donc de prendre davantage le temps avant de vous embarquer dans quoi que ce soit. Alors voilà le message pour vous, mes chères vierges. Donc, c'est pour ça que je vous disais au départ que j'ai l'impression, même si c'est difficile pour moi de transmettre ces messages-là qui peuvent parfois sembler négatifs pour certaines personnes, il y a toujours premièrement du positif à en retirer. Et j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas être trop ébranlés par ce message puisque on voit ici réellement une prise de conscience de votre part, d'accord? Alors, ce qui sera difficile, ça sera pour les personnes qui n'auront pas pris encore conscience qu'elles ne sont pas respectées dans leurs valeurs ou dans leurs principes, d'accord? Donc voilà. Alors, je suis désolée si ça a pu heurter certains d'entre vous, mais comme je vous le dis, je me dois toujours de vous dire certaines vérités. Alors, ça fait partie, c'est comme quand on élève, on éduque des enfants, parfois de dire certaines vérités, ça peut choquer, ça peut blesser sur le coup, mais c'est souvent par amour que nos parents nous remettent à l'ordre. Donc voilà, alors j'ai pigé deux cartes. Hein. Donc la première, c'est les messages des anges, archanges ou maîtres ascensionnés pour vous, pour votre tirage. Et la deuxième, c'est une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer dans votre situation présente. Alors je commence avec la carte des anges, anges, archanges ou maîtres ascensionnés. C'est une très, très, très belle carte. Et d'après moi, ça va avec justement cette carte du 7 de bâton qui s'est présentée dans votre tirage inversé. D'accord? Alors, c'est la carte du chakra de la gorge. Alors, c'est une magnifique carte avec de très belles couleurs apaisantes. Et cette carte-là vous dit, par la parole, vous matérialisez vos désirs. Alors, demandez en affirmant votre vérité avec amour et vous recevrez des cadeaux divins. Alors, le fait de ne pas avoir été capable de vous faire respecter ou respecter vos principes et vos valeurs dans cette relation-là, à l'avenir, probablement que vous allez utiliser l'énergie du chakra de la gorge pour dire votre vérité, pour matérialiser vos désirs, hein, en demandant et en affirmant votre vérité avec amour. Parce que vous allez de cette façon-là recevoir des cadeaux divins. Alors, c'est ce que cette carte-là vous dit. Donc, c'est une situation qui vous aura appris beaucoup. Alors, je vous lis ce que le carnet en dit pour le chakra de la gorge. Donc, pour cette belle carte ici, magnifique, elle vous dit, chakra de la communication, sa couleur est le bleu et il représente l'éther. Ce chakra est situé à la gorge. Ses principales fonctions sont la communication, l'expression de soi, le pouvoir, la volonté et la parole. D'accord? La glande correspondante est la thyroïde. Il est relié à la gorge, au bras, à la trachée, au cou et à la nuque. Quand il est équilibré, vous êtes centré, puissant et vrai. Vous avez de la facilité à vous exprimer en public. Vous avez un sens artistique développé et êtes éveillé spirituellement. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vous vous écoutez parler, vous êtes arrogant, vous exagérez dans vos propos et êtes fanatique. Donc ça, il faut faire attention à ça, que le chakra ne soit pas en excès.
Si l'énergie ne soit pas en excès dans ce chakra, pardon, si ce chakra est en manque d'énergie cette fois, il y a risque de devenir manipulateur. On ne peut se fier sur vous. Vous êtes dirigé par vos peurs, peur de ce que les autres vont dire, peur de l'intimité et de la sexualité. Faites une demande de purification du chakra de la gorge avec le rayon bleu. Alors, pensez toujours à cette carte à l'avenir, hein, dans vos relations, hein. Vous avez appris qu'à travers cette relation, qu'il était peut-être difficile pour vous, selon la personne qui partage votre vie, de vous faire respecter. Alors maintenant, utilisez l'énergie du chakra de la gorge, hein, visualisez le rayon bleu pour venir purifier le chakra de la gorge, pour être en mesure à l'avenir de dire votre vérité, de vous faire respecter, de prendre position pour vos principes et vos valeurs, hein, pour qui vous êtes également, d'avoir le courage de vos convictions ici. Alors, très belle carte à ne pas oublier. Maintenant, la carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer, c'est la belle carte de la souplesse. Alors, je vous montre la belle carte ici. Souplesse. Donc, c'est vraiment des cartes qui viennent à point, hein, dans votre tirage. La souplesse vous dit traverser en douceur la zone de turbulence, hein, parce que oui, il y a une zone de turbulence, hein. Si je mets la carte de la tour à l'endroit, vous allez voir une tour qui semble en destruction. Il y a du feu, il y a des éclairs. Mais l'éclair, souvent dans la carte de la tour, nous parle d'une certaine révélation ou d'une prise de conscience. Donc, c'est ce qui vous est arrivé ici. Quoi qu'il en soit, il y a une période de turbulence présentement pour vous. Alors, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver ici, hein. Quand je vous parlais tout à l'heure de ne pas vous sentir coupable et que le message qu'on est en train de vous donner, ce n'est pas pour vous taper sur la tête, mais bien de vous façonner, hein, de vous faire prendre conscience de vos faiblesses peut-être ou des choses à travailler tout simplement. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Donc, devant cette situation, ne cassez pas. Ne vous sentez pas démuni ou coupable ou comme si votre vie s'arrêtait tout d'un coup, hein. Pliez, mais ne cassez pas. Alors, je vais vous lire ce que le livret, l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour cette belle carte de la souplesse. Alors, ça vous dit, aujourd'hui, quand les tempêtes de la vie souffleront sur moi, je vais plier mais ne casserai pas. Je serai brave et quitterai le rivage avec courage. Hein? C'est ce qu'on a vu ici. Je ne me laisserai pas troubler par les choses que je ne peux pas changer. Je me concentrerai sur ce que je peux changer et j'irai dans le sens du courant. J'entre dans la grande aventure de la vie et je n'ai pas peur car les vents me sont favorables. Donc, n'ayez pas peur de cette situation-là. Les vents vous sont favorables parce qu'on vous a montré quelque chose, vous avez appris quelque chose ou vous allez apprendre quelque chose de cette situation-là, hein. Et c'est une aventure de plus, pardon, dans votre bagage. Donc, maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Parce que cette relation, cette situation, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas changer puisque vous êtes deux dans une relation. Et si l'autre n'est pas prêt à changer, vous ne pouvez pas faire en sorte que l'autre change. Alors, concentrez-vous maintenant sur ce que vous pouvez changer dans votre vie, pour vous. Donc, voilà, mes chères, vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, même s'il peut paraître un peu difficile au départ. J'espère qu'il en tout cas qu'il a pu vous apporter des pistes de solutions ou des pistes de réflexion pour être en mesure de prendre de meilleures décisions pour votre avenir.
Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir, ça nous aide aussi à continuer parce que c'est un travail qui n'est pas toujours facile. Alors, n'hésitez pas à liker, mais n'hésitez pas surtout à partager la vidéo parce que même si elle ne vous a pas parlé en tout point, hein, dans votre situation actuelle, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là et ils ne sont qu'en attente de justement de recevoir ce message. Alors, partagez la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Soyez conscient également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, pour recevoir votre tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs. Donc, mes chères vierges, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez des bonnes décisions pour vous. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles énergies du mois. Merci, au revoir.